J'adore le background, si. On va passer à la pause de ma wig. Donc ma wig se présente comme ça. J'ai opté pour le jaune encore cette année. L'année passée c'était jaune mais avec les mèches tressées. Je vais mettre une photo quelque part là. Aujourd'hui encore, mais cette fois ce sont des mèches comme ça. Donc je vais customiser. Je pense que c'est pas nécessaire parce que regardez un peu. On a l'impression que c'est déjà fait. C'est déjà customisé. Je vais juste mettre un peu de fond de teint ici. Voilà. J'ai fait la coloration marron. D'accord, après la coloration, je vais prendre soin de la mèche. La mouiller légèrement pour que toutes les mèches soient bien ensemble derrière pour pas qu'elles me dérangent lorsque je vais passer à la pose. Voilà. Maintenant, je pose mon chapeau marron à ma teinte. On appelle ça un faux crâne. Ensuite, je regarde la vidéo de Meredith. Comme je l'ai dit, je la pose à la Meredith. Là, je fais sortir les oreilles et je place bien le chapeau pour dépasser la limite. Je vais utiliser la colle de lace et la got to be que vous connaissez. Et là, je disais que j'allais utiliser deux couches selon la vidéo. Deux couches que je vais sécher ensuite. Là, je colle bien. Pour une première fois, je fais beaucoup attention. Je regarde mon miroir. Je vais sécher ensuite. J'ai fait les deux couches. Et là, je vais passer à la coupe de la lace et bon, du chapeau. Je l'ai fait tellement lentement. Si vous voyez que j'ai accéléré la vidéo, c'est pour vous épargner les détails. Voilà. Cette petite partie n'a pas collé, donc je recolle. Je sèche. Dites-moi, pourquoi quand vous faites les tutos, vous ne nous montrez jamais les finitions? Sérieux, dites-moi pourquoi. Bon, j'ai fini de couper. Le reste là, c'est où au bout? Bon, je vais faire ça comme ça. Vous ne montrez jamais tout. Vous devez montrer la devanture, mais derrière, comment ça se passe? Est-ce qu'on coupe tout le tout ou on s'arrête où? Je ne sais pas. Je fais comme je peux. Bon, on va me charger là. Bon. Là maintenant, je vais passer la terre. Ça donne déjà quelque chose. Ça me plaît le fait d'avoir mis le fond de teint sur la lace. Parce que très souvent, tout le monde met le fond de teint ici et après ici est blanc. Bon, vous avez vu sur la vidéo, elle a coupé ici deux trucs là, elle a mis la colle, après plus rien. Mais quand on fait comme ça, quand on fait des tutos, allez jusqu'au bout, le monde fait comment?
quelqu'un qui place une laisse pour la première fois. Regardez. 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 Guys! C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je ne vais plus chez la coiffeuse. Non, make-up. Non, mais c'est trop fort. Attends, ici, là. Attendez. Ici, là. Je vais mettre un peu de quoi. C'est fini, c'est collé. Guys, c'est fini. Attends. Où est la gaine que j'attache encore? Je laisse bien sécher et puis je fais le make-up. À tout à l'heure. Bon, je vais me laver, me make-upper pour la première fois en pro. Je vais encore regarder une vidéo et quand je finis, je m'apprête en même temps. Pour la vidéo de Milan 2023, il est 17h40. J'ai pensé à quelle heure? 16h. Chier, vous pouvez faire que j'ai fait 1h. Ah, ça suffit. Donc, je vais me laver. Puis, on va mettre fin au vlog. Alors ici prend fin la vidéo de pose perruque à la Meredith. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de me lâcher un gros pouce bleu. À bientôt pour la vidéo make-up. Bye bye.